trailer, il est. Hey, je tiens à vous le dire, je souris, je souris comme un enfant. Trailer du live action. Ouais, on va faire les deux, on va faire les deux. Je suis trop pressé de revoir ce trailer. Hey, je vous mens pas, je vous jure, c'est vrai. J'ai dû voir le trailer, genre, facile 15 fois. Facile 15 fois. Je suis fou. Où est l'horrible pile? Ah, je sais pas. Je sais pas où est l'horrible pile. Il est sur Paname en plus, hein. Il est parisien, l'horrible pile. Ah ouais, j'ai mis sur TikTok. J'étais comme un ouf. J'ai eu ma grosse tête sur mon TikTok. Parce que du coup, j'ai un compte TikTok pour ceux qui savent peut-être pas. Et du coup, bah, j'ai posté ma grosse tête où j'ai dit que j'avais trop hâte. Je devais pas live ce soir, hein. Je ne devais pas live. C'était pas possible. J'ai vu le live. J'ai dit, c'est un devoir. Si je fais pas demain à 6h du mat, ça va me sauter chez moi. C'est un truc de ouf. J'étais obligé. J'étais dans l'obligation. Escroc de fou. Salut Rustam. Alors attendez, Demon Slayer. Hop, on prend la fenêtre. On prend la fenêtre du YouTube Game. Oh là 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 là. Mais ça va être incroyable. Salut Vega Dark. Force à Vega, il bosse le frérot. Force à toi, elle est pas bonne cette. Force au frérot qui est en train de bosser. Frérot, c'est incroyable. C'est incroyable. Je passe en speed. Ah, mais. Les émotions, les émotions. Les émotions, les refs, les émotions. Ouais, c'est mieux. Ah, voilà. Elle est pas rognée, là. Ça va être incroyable, je tiens à vous le dire. Je m'en fous. Eh, franchement, je peux prendre un strike pour ça, mais je m'en fous. Le strike sera mérité, c'est pas grave. J'accepte de prendre un strike que pour ça. Tu l'as pas vu encore? Oh, mais ça va être monstrueux. Mais ça va être. Est-ce que vous avez. Oh, merci beaucoup, Simon. Merci, mon ref. Merci énormément, Simon. GG, Simon. GG de ouf. Eh, mon réflexe avant de lancer. Ah, stylé, il y en a qui l'ont pas vu encore. En tout cas, Simon, merci beaucoup. J'ai demandé à Neil direct. Alors, t'en penses quoi? J'étais sûr de moi en mode il va dire ah ouais putain je me suis trompé incroyable. Frérot, il a dit quoi? C'est de la merde. Il a pas changé d'avis le ref. On va aussi réact le Gear 5, oui. On va réact les deux. Oh, Adeline aussi pas encore vu. Mais c'est incroyable, c'est trop bien ça. Du coup, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes installé? Est-ce que vous êtes propre sur vous? Là, faut un costume. Costume. C'est pas faux! Sophia, t'as raison. Enil, il a le même outfit. C'est archi vrai. Il ressemble beaucoup vestimentaire à Arlong, quand même. Hein. Parce qu'en plus, il a taillé Arlong. Et je vais lui dire. Et du coup, c'est bon, vous êtes bien ou pas? Vous êtes installé? Vous avez ce qu'il faut? Parce que je vais lancer là. Je vous propose, on se le lance une première fois. Et après, entièrement. Et après, on se le prend séquence par séquence. C'est bon? Allez, c'est parti. Je vais vérifier si le son il est à fond. Vous me dites si c'est le son, c'est bon pour vous ou pas. Fortune, gloire, pouvoir. J'ai trouvé tout ce que ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Alors, t'en dis quoi? C'est magnifique. T'es avec moi? Mutinerie. Quel intérêt y a-t-il à devenir pirate? C'est la plus belle chose au monde. Les embruns qui te titillent les narines. Le vent qui te souffle dans le dos. Ton équipage loyal à tes côtés. Ça y est, il est prêt! Je dois voir quoi, là? Notre pavillon noir? Pour l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan, où les îles sont plus grandes et les pirates plus puissants. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece.
On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Fragment Punch! À couvert! Luffy, ils sont à ta recherche. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Le move de Usopp, il est incroyable. Ce groupe, cet équipage, même le masque. Rien ne peut l'arrêter. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la fin. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Je suis Monkey D. Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates. Je savais pas qu'il y avait autant de pirates. C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? Incroyable. C'est une... À mes yeux, je vais lire vos commentaires, mais je vous le dis, c'est une masterclass. Et c'est mieux que quand dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien que ça soit trop bien. Et bah, je trouve que c'est encore mieux que ça. Et je... C'est incroyable. Honnêtement, ce qu'ils arrivent à nous faire ressentir là, dans... C'est incroyable. Perso, j'ai kiffé. Hein. Je vais remonter pour voir vos messages du coup là. Et après, on va le prendre séquence. Bah, vous savez quoi, non, vous savez qu'on va le prendre séquence par séquence. Et comme ça, on mettra pause et on en discutera. Mais je crois que j'ai vu passer hein, quelqu'un qui trouvait ça dégueulasse et tout. Mais j'ai l'impression que c'est y a pas de juste milieu. C'est soit il y en a, ils trouvent ça horrible. Soit il y en a, ils sont agréablement surpris de fou furieux en fait. Soit c'était quelque chose qu'ils s'attendaient pas, tu vois. Mais on va prendre. Moi, personnellement, je vous le dis. Hein, maintenant, c'est la 16e fois que je le vois, peut-être. Ah, je suis hypé. Mais je suis hypé. Je suis hypé d'une force. C'est incroyable. On va reprendre séquence par séquence. Tu sais quoi? Honnêtement, ça débute. Dites-moi ça. Ça débute. Quand j'ai vu les chaînes et les yep, je savais que c'était Roger. Vous l'avez senti ou pas? Est-ce que vous avez... On va voir Mme Sophia pour les primes. On va tout voir en détail, là. Dès le début, vous n'êtes pas dit... Genre, moi, ça m'a fait ça. C'est Roger? Genre, avec le son et tout. Ah, El Wusol! El Wusol est là! Un max de GG, s'il vous plaît, pour El Wusol! Mais... C'est... Honnêtement, je... Incroyable. Je... Quand j'ai vu ça, c'est débile, hein. C'est des pompes, tu vois. Avec la musique. Mais dans ma tête, je me suis dit... Hein, c'est Roger. Tu sais, genre, j'ai respiré fort, comme si j'allais voir quelque chose de fou. C'est Roger. J'adore. J'adore de ouf. Fortune ! Gloire ! La scène est incroyable. Non, honnêtement, là, dès le début, vous n'êtes pas pris un petit coup de... Qu'est-ce qui se passe ? Adeline, je trouve la voix de Roger pas top. Je trouve qu'il manque un truc dans la manière de parler d'une émotion. Un truc. C'est vrai, ah, moi j'aime beaucoup la VF. J'aime beaucoup sa façon de parler, tout. On dirait un mec drôle. Enfin, on dirait vraiment la personnalité. Hein. Parce que je pense de toute façon pour le casting, ils ont essayé de voir une personne qui pouvait ressortir sa personnalité ou dégager quelque chose. Quoi. Mais après ça, c'est comme tout. Les voix, c'est autre chose. Là, on peut pas... Après, il y aura la VO. Peut-être qu'en VO, vous allez plus kiffer. VO en sous-titré français, elle sera disponible sur Netflix aussi, donc et sous-titré par les vrais seiyuu, donc ça se trouve, il y aura même la voix du Roger qu'on connaît dans l'anime. Hein. C'est possible. Bienvenue à toi, Elrench. Donc ouais, c'est peut-être pour ça. Mais sinon, c'est quel début. Hein. Salut, Riley. Mais moi, perso, là, déjà rien que ça, quand j'ai vu ça, je vous jure, j'étais comme ça. J'étais... Oh. Mais c'est Roger! Parce que Roger, ils ont jamais montré son cast, rien du tout.
Je le trouve excentrique, plutôt cool perso. Ouais, bah c'est ça, hein. Roger, il est ultra excentrique, hein. Il est complètement barge, hein. Roger, c'est un fou qui est arrivé face à un mec qu'il connaissait pas sur un navire et qui lui dit hey, « Eh toi, viens, on prend ton bateau, on prend la mer !» Qu'il ne le connaissait même pas. Un fou, le perso est fou. Il est censé être taré, Roger. Hein. Pouvoir! Oh, je reviens pas en arrière. Voyez le petit... Là, là. Là, les détails. Ça se joue dans les détails. Je sais pas. C'est Nice officiel. Les seiyuu de l'anime feront la version Jap. Bon, bah voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y en a plein qui préféreront, à mon avis, regarder en VO. Mais tant mieux. Si vous kiffez comme ça. Salut Luffy. C'est... Tant mieux. Mais incroyable. Enfin, je m'attendais pas, honnêtement, à voir ce grain-là. Vous voyez un peu comment c'est filmé et tout? Même avec le teaser qu'on a eu, c'était pas comme ça. Le teaser, c'était pas le même mood du tout. Je sais pas si c'est passé quelque chose entre le teaser et le trailer, mais c'est pas ce même mood. Là, il y a un truc en plus. Vous voyez, il y a une sorte de... Ça fait très, très... Ça fait cinéma. Là, tu vois, comme ça, tu peux te dire, il y a un film sur Roger qui va popper. Tu te dis pas que c'est une série qui va débuter, tu vois. Comme ça, là, juste, on te montre ça, tu te dis, non, ils font un film sur Roger, tu vois. C'est... Perso, je vais regarder en VF et les seiyuu de l'anime pour de... Ouais, ça va être sympa. Après, ça va faire bizarre de voir les seiyuu de l'anime avec d'autres têtes qu'on n'a pas l'habitude. Il a dit... Ah, et Bellecrosse, j'ai raté. On peut monter en VOC pour en parler. Ouais, là, on regarde comme ça bien et après, je fais monter. Je fais monter et chacun donne son avis. Et donc, Bellecrosse, tu pourras monter. J'ai pas encore lancé le Discord, mais je vais le lancer. Mais ouais, rien que ça, là, je... c'est des détails, mais... C'est Rio les mêmes dents. Quel bâtard. J'ai trouvé tout ce... Il y a un fou qui chante là dehors. C'est Roger. J'aime bien. J'aime bien. Je le trouve, tu vois, je le trouve tellement imparfait que je kiffe. Tu sais, c'est pas un mec... Ils ont pas choisi un mec ultra beau gosse de ouf. Ils ont pas, ils ont, j'aime bien ça, tu vois. Ils ont pas choisi quelque chose de, ils ont choisi un vrai Roger. Parce que pour nous, ce serait Roger quand même. Hein. Et ça, si tu montes juste sa tête, je peux potentiellement proposer un Roger, tu vois. Avec d'autres prénoms un peu similaires à l'ancienne, le Roger, il peut sortir. Ah, moi j'aime bien. Non, moi j'aime bien là. Non. Honnêtement, là, Roger là. Il est bien, il est archi bien casté de ouf. Il est trop bien cast. Moi, j'aime beaucoup là, honnêtement. Attends, faut taper du coup juste point d'exclamation Discord sur le chat et ça va popper. Tu pourras rejoindre du coup mon Discord, frérot. Putain, il a. Le truc de mode obligatoire a bloqué Depp pour Johnny Depp. Le problème, c'est qu'on aurait voulu Johnny Depp. Ouais, mais bon, c'est pas. Non, phase terminale aussi. Vous êtes... Ouais, en plus, c'est vrai, hein, il est mourant, le boug. Mais j'aime beaucoup, franchement. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu, j'ai kiffé direct. Hein. Ce que ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Rien que cette hype, c'est. Retirez vos entraves, j'aime bien. Tu sais, ça te donne envie de partir à l'avant. Ça vous donne pas envie de sourire. Ou vous êtes trop focus sur genre, faut que je vérifie tous les détails. Non, fraude, j'ai interrogé le mec. C'est pas du tout. J'ai vu sur Twitter. Ah, ça ressemble à des cosplayers de la Japan. Bon, j'ai vu les cosplayers de la Japan. J'ai fait une vidéo avec eux. Je peux vous assurer qu'il n'y en avait aucun qui était du niveau de. C'est pas vrai. Il y a peut-être. Des cosplays pro de fou, mais ils étaient pas là à Japan où j'ai pas vu cette qualité-là. Faut être honnête, hein. Les bougs, ils étaient investis, ils étaient en train de kiffer leur bail, mais il n'y en a aucun qui a le niveau de ça. Faut arrêter. Le crocodile, il était incroyable. Il était incroyable, le crocodile. Mais j'ai juré, ça aurait été ce crocodile de la Japan qu'on aurait vu dans live action, vous aurez pété un câble. C'est quoi ça? Parce que il a fait avec ses moyens lui. Là, on parle de professionnel, de maquilleur, de fou furieux. Tout est détaillé. Comment tu t'habilles, comment tout est calculé.
Là, c'est pas pareil, non, faut pas comparer. Après, je pense qu'il doit y avoir des cosplayers ultra professionnels qui doivent faire des trucs. Est-ce que c'est des pros, quoi? Mais. Mon trésor! Ah, le regard de Zoro là! Eh, vous avez reconnu ce katana ou pas? Est-ce que vous l'avez reconnu? Le regard. C'est. Je kiffe. Moi, je suis hypé. Regardez, je souris. C'est pas forcé. Je souris. C'est un kiff. Tu sais, ça te donne envie. Ouais, on va partir à l'aventure. Ouais, ça fait kiffer de ouf. Moi, c'est One Piece, je kiffe pour ça. Hein. C'est la sensation de te dire, on va partir à l'aventure. Et là, c'est ce qu'il me fait dire, moi. Il me fait dire, viens, prends ma main, on part à l'aventure. Bon, si un vieux comme ça me dit, prends la main, j'y vais pas. Hein. Mais ça me donne envie d'aller à l'aventure. C'est ça, Doga, la hype, pour moi, elle est présente de fou. Après, c'est subjectif. Il y en a peut-être plein qui vont pas kiffer. Mais moi, personnellement, ah, je suis un client, là. C'était vieux, c'est pas faux. Je vous le laisse si vous voulez. Garp, il est incroyable, Garp. On l'avait vu là, quand il avait été choisi. Sunny, j'ai l'impression que notre génération est beaucoup plus hypée que les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai. Ce que tu dis, c'est extrêmement vrai. Parce que quand je vois les personnes qui réagissent, ceux qui ont 30 ans à peu près, mon âge, hein, j'ai 32 piges, ceux qui ont mon âge, ou un peu en dessous, ou un peu après, ils sont hypés. Ils tiffent. Et il y en a beaucoup qui recherchent, qui en demandent beaucoup trop, en fait. Il y en a plein qui demandent, je sais pas ce qu'ils demandent, parce que là, ce qu'on a, c'est une qualité de fou. C'est une qualité de fou. Et c'est jamais assez. J'ai 26 ans, frère. C'est pas. Eh, hey, tu fais partie du clan, ça y est, t'es pas loin. On n'est pas si loin, mon reuf. C'est ça, Doga. Les vieux, on est là. Ah, Walid, t'es un bon. Tu sais dribbler, et en plus, tu sais kiffer. C'est bien. C'est bien garnis. Après, ceux qui kiffent pas, ils kiffent pas, hein, faut pas forcer. Juste vous forcez pas. Vous forcez pas, c'est possible, ça vous touche pas, ça vous touche pas. C'est comme ça. Ça y est, Boussole, elle a 22 ans, elle se la pète. 16 ans. Mais je suis hype de malade. 24 ans, je kiffe. J'ai l'âge de tout le monde maintenant. 22 ans, j'ai lancé l'âge d'or des âges. Donnez-moi vos âges. Il demande le niveau. Ouais, et même MCU, personnellement, hein, moi j'adore par exemple le Seigneur des Anneaux. Quand j'ai connu One Piece, c'est grave. Vega, c'est le doyen, il a 47 ans. Et moi, le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent et qui ont vu, je pense tout le monde hein, en vrai, tous les orques et tout, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est du maquillage. C'est full maquillage, un budget de malade mental. Et bah. C'est extraordinaire. Et moi, j'aime ça. Je préfère voir du maquillage, des trucs qui font penser qu'il y a vraiment un humain derrière, que de se dire qu'en fait, c'est un humain avec une grosse pancarte verte au-dessus de la tête qui bouge comme ça. Et je préfère ça. Après, c'est subjectif. C'est subjectif. On verra au moment du Arlong, mais c'est subjectif. Vega, c'est le frérot, j'ai le droit. Mais le Garp, il est stylé. Et là, le Garp s'est cramé. Il est en train de réagir à ce qu'a fait notre ami Roger. Il sent qu'il a foutu la merde, Roger. Il se dit, merde, le plan, il échoue là. Le plan, il échoue. Je regarde la outfit de tout le monde. Lui, on dirait pas un frérot qu'on voit au marché le mercredi matin. Lui, c'est sûr que je peux le croiser au Shemar le mercredi matin. C'est sûr et certain, ça me choquerait pas du tout. Vous le voyez ou pas? On l'a tous croisé, lui, le frérot. On dirait toi. Voilà. Bah, je vais vous le dire, les refs. Je suis figurant. C'était moi. Eh ouais. Entre la Cross Guild, le taf et tout, j'allais là. Eh oui, les frérots, vous avez vu cette masterclass? Ils m'ont dit, ouais, on a besoin d'un personnage ultra charismatique. Pour faire un random absolu qui apparaîtra pendant une seconde. Je me dis, bah c'est moi. C'est moi. Faites-moi venir. Non mais hey, vous rigolez, hein. Mais la vie de ma mère que je paye mon billet d'avion, moi tout seul, à mes frais, l'hôtel là-bas, tout. Pour ça. Pour jouer son rôle. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Hein. J'y vais. Rien à foutre. Rien à foutre. Que les choses soient claires.
Et là, est-ce que c'est dragon ou pas? Peut-être. Il a peut-être une vibe de dragon, c'est possible. C'est possible de fou. C'est archi possible que ça soit dragon. Et je crois on le voit dans un autre. Bah, on va voir, on va y venir. On va venir perso par perso. C'est une pirate, elle, avec son étoile. C'est des pirates qui craquent et qui se barrent, ça y est. Par contre, pirate de biche, elle. Hein. Elle reste, à is... reste, reste, prends pas Grand Line, va pas dans. Elle est bien, enfin, non, elle est bien faite, hein, je dis pas que. Mais je dis juste que, bon, je sens qu'à Grand Line, bon, elle passera pas. Elle s'arrêtera dans le cimetière du cactus, hein. On sait de quoi je parle. Magnifique. Non, me dites pas que ça, c'est pas stylé de ouf. Me dites pas que ça vous fait pas penser à Roger. Sincèrement. C'est vrai, ça clash. Bah voilà, bah ça clash, il aime pas du tout. Ça arrive, hein. Mais moi perso, je. C'est, regardez ça, magnifique. Le plan, les dents, c'est des détails, hein. Mais il est pas propre, il est pas beau. Et c'est ça qu'on veut, il est pas beau. Ouais, le type tout en vert. Peut-être de dos là. Peut-être c'est lui. Peut-être. Hein. On savait qu'il était là de toute façon. Après, il était jeune à ce moment-là. Enfin, beaucoup plus jeune. À voir. Mais. Ah, moi j'aime bien. Hein. Après, dans le manga, les reufs, il a une moustache qui sort du nez déjà. Des narines, Roger là. Et sa moustache, elle n'existe pas dans la vraie vie, au frérot. Hein. Du coup, cette moustache-là, elle peut grave être cohérente. Cette moustache-là, tu peux la voir dans la vraie vie. Il y a des mecs qui ont ce style-là dans la vraie vie. Hein. Ils ont ces moustaches et tout, c'est un style. Hein. Et ça ressemble plus à ça qu'à une moustache ultra épaisse. J'ai une moustache. Je sais comment ça marche, les moustaches. Et celle de Roger n'existe pas dans notre monde. Et si jamais on avait mis un Roger sans moustache, alors là, les gens, oh, ils auraient crié au scandale. Déjà, ça a pété des câbles parce qu'on ne voyait pas les orteils de Luffy. Alors là, si on retire, moi je kiffe. Bah, je trouve, bah, Roger sous crack, bah, pour moi, Roger, il doit être sous crack. Le Roger, c'est tout sauf un mec. C'est ça, pour moi, il représente tellement Roger. Roger, c'est ça. C'est pas un beau gosse. Je le voyais jamais comme un ultra BG de ouf. Je le vois comme un starbé. Je vous donne mon point de vue, hein. Vous avez le droit de ne pas le partager, hein. Mais pour moi, c'est un starbé, Roger. Il est complètement fou. Et là, je vois un fou. Je vois un fou sale. Je vois un fou pirate. Il pue la piraterie, le boug. Et tu sens qu'avec lui, tu dois te taper des barres de rire de fou furieux. C'est sûr. Personnellement, moi, j'ai kiffé. Bah, c'est quoi le charisme? Ça dépend. C'est quoi le charisme? Moi, je trouve que là, moi, il me fait kiffer, hein, vraiment. Moi, j'aime bien. Il pue de la gueule aussi. Dis, c'est un fou. Ouais, non, c'est un fou, c'est un fou. Mais Garp, c'est pas pareil. C'est pas le même personnage. Garp, il est fait pour en imposer. Garp, il est pas censé ressembler à Roger. Il ressemble pas du tout à Roger. Et j'ai envie de dire heureusement. C'est pour ça, moi, je préfère ça qu'un BG de ouf. Ou qu'un mec qui dégage un truc de malade, genre en mode waouh, là c'est il est fou le boug. Tu te dis ouais, il sent la piraterie. Moi je trouve sa prestation, en tout cas l'acteur là, le rire, là, comment ils ont décidé de prendre la caméra, de zoomer sur son gros crâne là. Moi je kiffe. Après, moi Roger, je l'ai toujours imaginé comme ça. Je me suis toujours imaginé un psychopathe, un fou. Dans la vraie vie, tu le suis pas, Roger. C'est comme Luffy. Luffy du manga, dans la vraie vie, jamais personne ne le suit. Mais faut être complètement fou pour prendre la mer avec lui. Enfin, ça n'a aucun sens. Et bah lui, il est fou. Et j'aime bien du coup. Il est fou et tout. C'est un taré. Et je me dis, bah, ça c'est mon Roger à moi. C'est un fou. Et oui, là, il est mourant. Hein. C'est Roger mourant, de ouf. Donc quand on aura le flash. Si, bon, on parle du conditionnel. Mais si jamais un jour. On a le droit à Roger moins malade en flashback quelconque. Bah, je pense qu'on l'aura différemment. Jack Disparo. Ah non, 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 non. Là, j'aime bien. Bah, en vrai, il y a un petit truc. Après, moi, personnellement, j'ai flashé. Moi, j'étais content. Je l'ai vu, j'ai kiffé direct.
Je l'ai vu, j'ai. Moi, j'ai du mal avec un autre perso. J'ai toujours eu depuis le début, mais lui, j'ai kiffé. Ce passage, ce rire, tout, je. Moi, je survalide. Alors, t'en dis quoi? T'es avec moi? Et il est bien fait, hein. Il est archi bien fait. Hein. Comment il le regarde. Voilà, ça, c'est la réaction normale de n'importe qui rencontre Luffy dans la vraie vie. Ça, c'est ultra réaliste. On lui donne même pas l'heure. On le regarde et on se barre. Mutinerie. Quel intérêt y a-t-il à devenir pirate? C'est la plus belle chose au monde. Les embruns qui te titillent les narines. Le vent qui te souffle. Vous avez vu le coup Kame ou pas? Vous avez vu le coup Kame? Quand elle arrive à Alvida? Elle est là. Elle est là, Alvida, elle est là. Elle est là. Elle est là. Bienvenue Infinity War, merci beaucoup. Deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup mon ref. Merci beaucoup frérot. Elle est là. Le vent qui te souffle dans le dos. Ton... Et ça, je sais pas vous, loyal. Mais ça me fait penser à Thriller Bark. Pas vous? Vous vous rappelez le tonneau à Thriller Bark? Qui permettait en fait d'avoir une position? Eh ben, j'ai l'impression que c'est utilisé maintenant. C'est peut-être pas ça, mais ça m'a fait penser à ça. Et je me dis, c'est peut-être utilisé maintenant, en fait. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est Baggy le clown. Et c'est comme ça qu'il rencontre Baggy le clown, du coup. Et c'est stylé. Parce que du coup, c'est un mécanisme de pirate, de piège. Donc, ça peut être cool de l'avoir avant Thriller Bark. Et ce serait stylé. Si c'est ça, je kiffe. Parce que du coup, c'est réutiliser des choses comme ça, là. Et là, il n'y a qu'un. Bah, de toute façon, c'est que des fans. Hein. Il faut être fan de One Piece pour avoir cette idée-là. C'est là que tu vois qu'il y a des fans de One Piece qui ont bossé dessus, quoi. Si jamais, c'est bien ça, c'est du conditionnel. Hein. Si jamais cette idée-là, elle vient, c'est qu'il y a un fan de One Piece de fou, ou, sans parler d'Oda peut-être, hein, qui travaille dans le truc, qui s'est dit, mais faut qu'on utilise ça, c'est génial, ça va nous permettre de gagner du temps et tout. Si ça se trouve, c'est pas ça du tout, on va s'afficher quand ça va sortir, mais si c'est ça, je trouve l'idée géniale. Je trouve À tes côtés. Géniale. Ça y est, il est prêt! Je dois voir quoi, là? Notre pavillon noir? Pour l'équipe. Stylé. Eh, cette scène, ils l'ont faite. Et pour moi, là. Attendez, je parle. En tout cas, sur le trailer, elle est réussie. Tu vois, c'est des scènes de manga. J'avais peur de les voir réaliser en vrai. Tu dis, mais ça craint de ouf. Ouais, Nami, elle est belle. Nami, elle est vraiment belle gosse. Marshall vaincu. Même Zoro, hein, ils ont pris deux BG. Hein, là. Ah ouais, là, Adeline, bah, là, ça pue là. Ça pue là. Depuis le début? Je sais pas vous, mais ça pue l'amour de l'œuvre, quoi. On n'est pas sur un Dragon Ball Evolution. Alors là, on est à. Et ça me fait pas penser à un live action pour l'instant. Ça me fait pas du tout penser aux tous les live action que j'ai vus. Ça me fait pas. C'est pas du tout le même mood. Il y a quelque chose de différent. Équipage du chapeau de paille. Ouais, on s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan, où les îles sont plus grandes. Et les pirates plus puissants. Aïe, 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 il est là. Il est là. Il est là. Ah, ça va être incroyable. Ils sont devant la porte d'entrée du Baratie. C'est... Après, elle fait un peu là comme ça. J'ai l'impression qu'elle fait toc un peu. Et je dis pas ça parce que c'est Mihawk. On va pas commencer à me dire que j'insulte parce que c'est Mihawk. Rien à voir, attention. Mais là, tu vois, comme ça, là, sur le plan et tout, j'ai l'impression que ça fait une épée, un jeu en fait, pas une vraie épée, vous voyez? On dirait une épée que tu joues avec ton gamin à l'épée, tu vois, que t'achètes. Je dis pas ça à cause de Mihawk, attention. Donc, après, c'est le seul truc qui me paraît un peu bizarre. Est-ce que peut-être que. Peut-être qu'on se rend pas compte, mais peut-être que. Parce que du coup, elle sera forcément exposée son épée à un moment. Est-ce que peut-être que la matière, comme c'est fait dans le manga, bah en fait, ça ressemblerait réellement à ça, on se rend pas compte. Et c'est peut-être même pas du plastique, on est choqué. Mais là, comme ça me donne, ça donne cette impression, en tout cas, de plastique, quoi. Ça, limite, fallait pas mettre ce plan, quoi.
Au pire des cas, fallait pas mettre. Scénario catastrophe, tu mets pas ce plan-là. Tu mets un autre plan, mais tu nous le montres pas comme ça. Mais et là, je m'en rappelle plus de la lame. Mais là, la lame, elle me paraît pas noire, quoi. À part si cette partie-là, la lame, elle est pas noire, je m'en souviens plus. Et l'autre partie ensuite est noire. Mais là, on dirait que c'est pas une lame noire. Vous pouvez me confirmer dans le chat, est-ce que ça ressemble, elle ressemble vraiment? Oh, attendez, je vais regarder directement. Je vais regarder directement. Parce que ça me paraît bizarre en fait. Hop là. Lame. You. Hop là. On va la mettre en image et je vais vous la montrer hein, directement. Ouais, bah du coup là, sur en tout cas, dans les images, c'est noir. Ouais, non, c'est tout noir. Elle est censée être noire en fait. À cet endroit-là, elle est censée être noire. Je vais vous la montrer. Hop là, enregistrer l'image sous. Je vais mettre l'image en grand. Ah bah là, c'est encore mieux. Elle est de dos. C'est pas grave. En JPEG, parfait. Enregistrer. Je vais vous l'insérer tout de suite. Et vous allez voir que qu'elle est pas comme ça en fait. Est-ce que du coup on n'aurait pas un... Vous imaginez un truc de ouf? Est-ce que c'est pas un faux raccord qu'on a là? Vous imaginez la dinguerie? Si on avait là par exemple un faux raccord? Bienvenue que les francs. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon reuf. C'est toi le goat. Vous imaginez, on a un truc comme ça, un faux raccord ou un truc comme ça, genre c'est pas le bon plan qui est utilisé. Ce serait un truc de fou, hein. Regardez. La lame, elle est noire, hein. Elle est full black, hein. Elle est full black. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Elle devrait être noire comme le cœur de Rio. En fait, on dirait quoi? Et ça, c'est possible parce que quand tu filmes, eux, ils filment comme ça, mais derrière, tout est retravaillé en post-prod. Tout est retravaillé, tout est retouché. Et quand tu fais du cinéma comme ça, des séries, le plus long, c'est pas la production en tant que telle, même le plus onéreux, c'est toute la partie post-production qui est énormissime. Et je me demande si ça se trouve en post-prod, ils devaient toucher ça et ça n'a pas été fait parce que la lame elle est censée être black, là elle est pas black du tout. La lame elle est pas noire. Est-ce que du coup peut-être on nous retire peut-être la notion de lame noire dans la série? Peut-être qu'on n'aura pas cette notion-là de lame noire, vous imaginez? Vous pensez que c'est juste la lumière? Non, ça me paraît. Là c'est gris quand même. Hein. La lumière ou pas lumière, je sais pas. Peut-être c'est le tranchant là qui est censé être gris clair et ça c'est noir mais je le vois mal. Bon taf, Vega retourne bosser, il bosse du week-end le ref. Force à toi mon ref. Force à toi. Il est là le mairie. Il est là. Hey, ils l'ont bien fait de ouf. Après oui, on va me dire un cosplayer, on va faire pareil, ouais ok. Mais en tout cas, et vous voyez derrière? Ah, il est là lui. Il est là, le ref. Il est là. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. Là, je pense pas qu'il soit dans un vrai puits. À mon avis, ça va être pendant son combat contre son affrontement contre Mihawk. On va avoir un peu de notion personnelle ou comment il va se sentir en fait. Soit après le chaos, ou soit on aura un moment où il ferme les yeux et on le voit comme ça, quoi. Se sentir tellement impuissant, tellement loin de ouf. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Fragment! Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Baggy, c'est le numéro 1 pour l'instant. C'est le perso le mieux dans tout. Il est incroyable. Hein. Baggy, c'est un truc de fou. Baggy. Je sais qu'il y en a qui aiment pas Baggy. Comment c'est possible?
C'est incroyable. Le baggy là, il me. C'est. Il est. Et même, vous avez vu les fruits du démon? On avait peur de ça. On s'est dit, mais dans One Piece, comment tu fais les fruits du démon en effets spéciaux et tout? Mais là. Là, c'est incroyable. Là, c'est du. C'est doux. C'est doux de ouf. C'est super bien fait. Luffy, ils sont à ta recherche. Il est là. Il est là. Le premier homme poisson. Eh bah, il ressemble énormément. On va parler de Sanji juste après parce que Sanji, j'ai des trucs à dire, perso. Perso, j'ai des trucs à dire. Mais il est. C'est du maquillage, hein. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Il est. Je vais vous montrer le vrai, du coup, à côté. Il est incroyable. J'aime beaucoup. Il est bien. Il est parfait. Il est. C'est lui, en fait. C'est lui, c'est tout. Hop, les sous-vases. C'est lui les refs, honnêtement. Pour moi, c'est lui, c'est le frérot. Il est là. Je vais vous montrer sa grosse tête. Enregistré, hop, je vous le mets là. Et pour moi, il n'y a pas une différence de fou furieux, hein. Honnêtement, c'est vraiment bien fait, hein. Regardez. Regardez sa tête à lui, là. Les refs. Que demande le peuple? Que demande le peuple? C'est quoi? C'est. Il est où le problème? J'ai vu des gens dire, oh, c'est quoi ça? Le tatouage, il est là. Il est là, le tatouage. Et en plus, ils l'ont mieux montré que dans l'anime au début, parce que du coup, maintenant, bah, comme le manga est avancé, ils ont pu bien nous montrer la marque. La marque que faisaient du coup à l'époque les. Parce qu'il était. Les hommes poissons esclaves et non esclaves ont été marqués, ceux qui étaient avec Fisher Tiger, pour qu'il n'y ait pas de. Qu'ils soient tous pareils. Bonne soirée, Fort John. Bonne soirée, mon ref. Et pour moi, il est stylé, là. Les hommes poissons des pirates des Caraïbes sont mieux faits. Bah, il est où le problème, là? Mieux fait de quoi? Ça dépend ce que tu recherches, parce que là. C'est vraiment des. Là, il a vraiment le corps d'un homme de fou, quoi. Pourquoi est-ce que ce mec-là, tu te casserais la tête à le faire en CGI de ouf, alors qu'en fait, lui, il ressemble vraiment à un homme, quoi. Par la couleur. Et les nageoires qu'ils vont devoir faire ici, c'est pareil. C'est. Pourquoi te casser la tête à faire des trucs alors que c'est comme ça, qui ressemble vraiment à ça? Moi là-dessus, je valide, hein. Je peux que valider le frérot, perso. Je ne peux que le valider, le ref. Ah, c'est Sanji, par contre. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé. Sanji, j'ai du mal. Sanji, j'ai du mal. Voilà, je le dis, c'est le perso là. Sanji, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que lui, par exemple, surtout que là, ils n'ont pas fait les sourcils. Et bah. L'acteur, il est blond de base. Ils auraient dû laisser. Ils auraient dû laisser de ouf le mec avec ses cheveux de base. Je sais pas pourquoi là, j'ai l'impression que ça fait faux, que ça fait pas. Ben voilà, c'est subjectif, parce qu'il y en a qui aiment. Voilà. Là, on rentre vraiment dans le subjectif. Après, je pense que lui, c'est un bon acteur. C'est vraiment un bon acteur de ouf. Donc son jeu d'acteur, j'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que j'ai aucun doute là-dessus sur quasiment tous les jeux d'acteurs. À mon avis, ils n'ont pas pris de la merde, ils ont pas pris des acteurs connus, ultra connus. Ils ont pris des acteurs pour leur capacité à acter, à faire la jouer de la comédie. Donc j'ai pas de doute. Mais c'est juste, je sais pas. J'ai l'impression que ça lui va pas. Mais c'est peut-être dû à un fait, c'est que cet acteur-là, je suivais beaucoup les news sur la sortie.
de live action. Et ce mec-là popait énormément de vidéos. L'acteur, il popait énormément de vidéos. Il montrait ses entraînements, ses ateliers bouffe. Parce qu'il cuisine, il cuisine archi bien. Il s'entraînait de ouf. Lui, il filmait beaucoup. Il était beaucoup dans la com. Et du coup, bah, sa tête, pour moi, elle est restée marquée. Et là, de voir avec ses cheveux-là, j'ai l'impression de me dire, oh frérot, arrête. J'ai vu tes vrais vœux. Mens pas. Montre-nous ton vrai crâne. Et c'est peut-être pour ça que moi, ça me fait bizarre. C'est peut-être pour ça. Celui qui fait Zoro, il est connu dans le monde des adaptations manga. Il en a fait plein. Il en a fait plein, ouais. Et il a floppé le dernier. C'était pas lui, en tant que tel, hein, mais c'était le scénar qui était éclaté au sol. Mais pour lui, ça devait être difficile, hein. Et tu sors d'une bouse monumentale. Senseiya, et t'arrives sur One Piece, il doit se chier dessus. C'est-à-dire, pas une deuxième bouse. Pas une deuxième bouse, s'il vous plaît. Ouais, j'ai vu quel enfer. Quel enfer. J'ai vu. Et t'as vu comment il a évolué de ouf, l'acteur. L'acteur qui joue Sanji s'est entraîné réellement et il a progressé de malade mental. Ses premières vidéos, c'était éclaté au sol. C'était catastrophique. Et le reste, il a progressé de fou furieux. Ah, mais c'est personnel, hein. Je dis pas qu'il est catastrophique, mais je dis que comparé à ceux que j'ai vus avant, bah, j'accroche moins. Ton derche. Là, c'est du détail, hein. C'est du détail, mais regardez ce qui s'est passé juste là, et ça, c'est super important pour moi. Regardez, je vais essayer de mettre pause au bon moment. Ton derche. C'est moi qui ai sauvé ton derche. C'est ça. Vous avez vu le sang qui a giclé? Et eh ben ça, je suis content. Ça me fait kiffer. C'est bête, hein, mais il y a du sang. Il y aura pas des boyaux, hein. On n'est pas dans. Parce que dans Netflix, il y a des séries hardcore. Marco Polo que je vous conseille, mais c'est une série incroyable sur Netflix. Elle est hardcore, hein. Ils coupent des membres, ils les font cramer, c'est vraiment un truc de fou. Mais là, de voir ces détails-là, j'aime bien. Parce que du coup, quand tu donnes un coup d'épée, il y a du sang. T'as pas l'impression qu'il donne un coup d'épée et juste le mec il fait oh! Et il tombe comme ça. C'est des détails. Salut Frontox, c'est des détails, mais pour moi c'est des détails qui ont de l'importance, je vous assure. Je sais pas vous, hein, mais vous, moi j'ai vu ça, j'ai dit oh, il y a du sang. Merci Nisa, j'ai fait la comédie française. Et le... comment il lui a baisé sa race. Ah, désolé de la vulgarité, mais comment il l'a défoncé. Le coup d'yep qu'il lui donne. Mais ça, c'est pour briser une nuque, ça. Allez. Ah non, il te lui a mis un de ses coups de... Et il a détruit tout. Là, c'est pas ses ancêtres qu'il a vus. Là, il a vu même le premier homme sur Terre. Il a vu le Big Bang. Le flashback, il est remonté loin, lui. Ça s'est pas arrêté à voir sa vie défiler. Il a vu la vue de l'univers. Ah, j'ai kiffé. Le bruit, le bruitage, le poc. Ah, il l'a déboîté. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Magnifique. Magnifique. Le mec qui a eu l'idée de monter ça comme ça, masterclass. Le Usopp. Arrivé comme un pélican. C'est exactement ça. Hey, Usopp, c'est pas incroyable. J'ai kiffé, c'est masterclass. Tu sais, ça, quand tu la regardes une traite, pour moi, je ne peux pas conditionner un autre délire que avoir le sourire, quoi. Avoir juste le sourire, je vais revenir en arrière. Mais ça donne le sourire. Donnez, ce sont des gamins. Ce groupe. Et du coup, il y a Garp aussi qui pourchasse du coup les Mugiwara. Il y a une vraie réécriture comparée au début, et tant mieux. Franchement, tant mieux de ouf. Oh les bâtards! Vous avez vu le petit salon là? Oh, ça donne envie de se poser là. Ah là, t'es posé là, soleil. T'es bien. T'es bien de ouf. Atroce. Qu'est-ce qui est atroce, mon ref?
Léo Messi du 9-3. C'est quoi qui est atroce, frérot? Ça se voit, l'acteur Douzop. Et une belle fraude en IRL aussi. Ah, l'acteur d'Usopp, il est mieux qu'Usopp. Je trouve qu'il fait Usopp mieux qu'Usopp. Incroyable. La sauce qui est tombée sur mon short. Ah, il est là, Neil. Ah, j'ai raté ton appel, mon ref. Oui, j'ai un appel à passer. Neil est là. Attendez, on va appeler le frérot. Hop. Il va mettre du caca partout, comme à son habitude. Allô mon ref, ça a été rentré ? Yes, j'ai rien compris, tu me disais quoi du coup ? Je te disais, ouais, on m'a dit dans le chat, je dirais pas que c'est Mame Sofia qui a dit, parce que je suis pas une poucave, mais il y a Mame Sofia qui a dit que, parce que je leur ai dit que du coup t'avais détesté aussi la bande-annonce là, et elle a dit que t'avais le même outfit que Arlong. Le jeune ? Ouais, t'as le même outfit, tu t'habilles du même style. Elle est plus claire le jeune, hein. Attends, je regarde des habits d'Arlong. Attends, je regarde. Hein? Eh, on fait une analyse. Non, c'est en jeune de la tête aux pieds, moi. Non, par contre, vraiment, dis-moi, à part le Harlong que t'as pas kiffé, t'as pas du tout kiffé le mood, t'as rien aimé de la bande-annonce. Baggy. À part Baggy. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Nami, elle est bien choisie. Puis j'aime bien le côté un peu blasé. Usopp, j'ai bien aimé. Bizarrement, ce que j'ai aimé sur Usopp, c'est ce que j'ai détesté sur Sanji. C'est-à-dire que lui, ils lui ont pas fait le long nez. Et Sanji, ils lui ont pas fait les sourcils en spirale. Mais ouais, non, j'ai bien kiffé Usopp. Qu'est-ce que j'ai aimé? Je sais pas. T'as pas kiffé Roger? J'sais pas. Non. Ah ouais, j'ai vu en VF la bande annonce, hein, donc non, sa voix est horrible. Et la voix, si t'oublies la voix, le rire qu'il fait, le jeu de pose. Non, moi j'ai kiffé. Hein. Mais le rire, c'est le rire de la VF. Hein. Ah, moi j'ai kiffé de ouf. Hein. Moi, la VF, je l'ai bien aimé. La VF me dérange pas trop. You, juste si on me demande mon avis, on s'en fout pas, donc va te faire foutre. Donc vas-y, tu dis. Neil, toujours, il arrive, il met du caca partout, je vous ai dit. Il y en a, je vais devoir nettoyer le plafond. Mais ouais, moi, Roger, j'ai kiffé le côté un peu. Tu sais, ça donne envie de partir à l'aventure, la bande-annonce. Elle est vachement mieux que le teaser. Par contre, c'est un teaser, c'est normal. Mais la bande-annonce, elle te donne envie de partir à l'aventure. Mais du coup, moi, tu as pas vu mes stories dans la journée là? Non, j'ai pas vu. J'ai trouvé l'échafaud de Roger dans la vraie vie. Ah, oh, vas-y, frérot, lui. Il est au jardin du Luxembourg. Eh, l'échafaud, je l'avais vu à l'époque où ils ont commencé à parler du live action. Ils te l'ont construit de A à Z, aucun effet spéciaux. Il a été 100% construit pour le incroyable. Non, c'est. Les gars, c'est. Luxembourg, allez-y à l'échafaudage de. Où ils ont tué Roger. Et il y a un crâne aussi, j'ai croisé un crâne, j'étais pas prêt en fait à le croiser ce crâne. Je te jure, je vois l'échafaud au loin, je fais ah, vas-y, je vais faire une story en mode il y a l'échafaud de Roger. Et genre, il y a un crâne qui débarque en plein milieu du bail. Non, ça se fait pas, les gars. Hey, ceux qui c'est ont la piraterie, crânes, c'est la piraterie, frérot. Évitez de ruiner les stories quand vous avez des crânes. C'est la piraterie, frérot, c'est la piraterie. Bon, dommage, hein. Franchement, je pensais que t'allais kiffer la bande-annonce. Non, après, c'est pas la fin du monde, mais moi j'ai kiffé. Ah, le budget, tu le ressens par contre là. Mais... Genre, arrête tes conneries, toi. Mais non, bah, frérot, me dis pas que tu sens pas qu'il y a eu des thunes là. Que tu me racontes, frérot. Eh, Arlong, tu as vu la tête d'Arlong? Mais il est stylé de ouf. Il est archi payé, bien toi. Fait. Ouais, ça a été payé. Toi. Mais il est fou. Eh, il est en placement de produit pour Netflix là, je vous le dis. Bah ouais, ils se disent, regarde, je suis combien là? C'est normal, ils se disent, on est 172 sur un live, je vais forcément changer la donne. Parce que tu vois, c'est gros marketing. Donc voilà, c'est. Ils m'ont dit, vas-y, ils sont combien dans celle 172. Waouh. Vite, envoyez l'argent. Il va nous faire gagner beaucoup d'argent. Eh ouais, c'est tout ça, c'est salut, pour c'est Netflix. Ouais, exactement. Je suis corrompu. Je bon suis bah. Corrompu. Bon bah, vas-y, mon ref, je te laisse. Tu fais ta soirée, frérot. Tu m'abandonnes. Je t'abandonne comme une merde que t'es, va. Tu m'as utilisé, tu m'appelles et maintenant tu me jettes comme une vieille chaussette. On dirait une ex toxique là. C'est chelou. Bonne soirée mon ref. Promis, je te rappelle et on passera la soirée au téléphone, t'inquiète pas. Tu me rappelles, la prochaine fois. Tu me rappelles et pendant 6 mois j'ai plus de nouvelles. Si, bonne soirée, je te rappelle, promis. Ouais, tu me rappelles, ouais. Vas-y mon ref. Il est complètement fou le ref. Il est complètement starbé le frérot.
Il est fou, il est fou. Bah, Neil n'a pas aimé. Moi, je pense qu'il n'aurait pas aimé de base. Mais il était pas. J'aurais pensé qu'il avait changé d'avis parce que pour moi, il y a une grosse différence entre le teaser et le trailer. Mais bon, pas forcé à kiffer, hein. Cet équipage. Je kiffe, vous avez vu le. J'ai envie de me poser avec eux. J'ai envie de me poser avec eux. Regardez le mood de Usopp, cet escroc en mode capitaine. Regardez son mood. J'aime bien, c'est un bon mood de ouf. Moi je kiffe, moi je kiffe. Moi franchement, ça me fait penser, honnêtement, ça me fait penser à One Piece. Ah, le seul, je dirais aussi, parce que j'ai parlé de Sanji, il y a un truc que j'aime pas trop. C'est pas la forme du chapeau de paille, parce qu'en soi, voilà, c'est un chapeau de paille en soi, et si tu le mets trop long pour filmer et tout, je pense que c'est galère. Et t'as Jaigle, Twitch a bloqué salopette. Ils ont dû se dire, oula, quelle insulte. En fait, c'est que le chapeau de paille, il paraît neuf. Il paraît touche d'id. Il paraît nickel. Salut à toi, bienvenue, Ikarugo. Il paraît trop propre, en fait, actuellement, le chapeau. Alors que normalement, Roger l'a porté. Sanji l'a. Sanji. Je suis fatigué. Roger l'a porté. Le grand Shanks l'a porté. Et là, Luffy le porte. Et je me dis, bah. Il sent pas le vécu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça. C'est dommage, hein, parce que je me dis. Ils ont flingué les dents de certains personnages, ils sont allés dans le détail en mettant même de la transpi, tu vois. Il y a des personnages, tu les vois transpirer, mais dans leurs vêtements, il y a des marques, les vêtements sont sales, fatigués. Et du coup, bah. Et là, j'ai juste l'impression que le chapeau, il paraît trop propre. Et on dirait il vient de sortir, il vient d'être acheté au magasin, il vient de le ressortir, et il vient de le poser, de poser sur son crâne. C'est juste ça, je trouverais ça. Ça aurait été bien d'avoir le ruban rouge un peu déchiré, un peu, tu vois, qui montre vraiment que ouais, le truc a vécu très 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 longtemps, parce que Roger, il l'a sûrement eu de quelqu'un aussi. Donc, bienvenue à toi, Débo. Moi, je n'aime pas la salissure, donc je ne vais pas m'en plaindre, même si tu as raison. Âme perdue. Bah au moins, si tu kiffes comme ça, mon ref, eh bah tant mieux. Belle-mère. Belle-mère, j'espère sincèrement, vraiment, il y a un des trucs que je veux, je vais écrire du coup à Netflix, je veux que la mort de belle-mère, elle soit hardcore. Dans le manga, la mort de belle-mère, elle est hardcoreissime. Elle est hardcoreissime. Et c'était marrant parce que moi, je connais One Piece depuis bah, que j'étais même pas majeur. Et la mort de belle-mère, elle m'avait pas trop choqué. À l'époque, parce que j'étais jeune et tout, et je me suis dit, bah, c'est la tirer sur un pistolet, ça va. Mais en fait, en grandissant, de me dire que tu as deux enfants qui sont là, ils regardent la femme qu'ils considèrent comme leur maman se prendre une balle comme ça, là, direct se faire flinguer sous le. Pff, la violence que c'est. C'est ça la violence, en fait. C'est la violence émotionnelle. La scène, elle est choquante. Elle meurt pas dans son coin tranquillement. Elle meurt sous ses enfants. Et tous ceux qui ont des enfants, ils doivent ressentir un truc à ce moment-là. C'est hardcore. C'est hardcore de ouf. Et j'aimerais vraiment qu'on ait cette scène-là, hardcoreissime. Qu'ils aillent jusqu'au bout de la chose, quoi. Qu'on ait vraiment. Qu'ils nous fassent pas ça en off. Qu'on voit la scène. Et qu'on voit dans les yeux de Nami, enfant et tout, l'horreur que c'est, quoi. Et ça, ce serait incroyable. Rien ne peut l'arrêter. Comment il a éjecté Luffy, incroyable. Il arrive comme un boulet. Faire preuve de bonté en vous exécutant. Le frérot Nil, il aime pas ça. Exécutant tous les deux ensemble. Et bah c'est Arlong. Je vais remettre une photo d'Arlong. Hein. Je vais remettre une photo d'Arlong. Bah elle est là en plus. Il est là son crâne, Arlong. Hop là, enregistrer l'image sous. Hop là. Hop, vous avez vu comment je tape archi vite ou pas? C'est pas incroyable là, ma capacité à taper tac 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 tac. J'ai tapé au hasard, donner un nom à l'image, on s'en fout. Bah, c'est Arlong les refs. Des chicots pointus, un long menton, des cheveux noirs. C'est Arlong.
Le nez, il est long. Bref, vous voulez qu'il aille jusqu'où, le nez? Il aille ici. C'est... Attendez, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. C'est... Je sais pas. C'est un homme, poisson. Un homme, poisson. Vraiment. C'est pas... On parle de pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, c'est des hommes qui ont été maudits. C'est une malédiction. Ils sont pas nés comme ça. Hein. C'est une malédiction. Ils sont maudits. Là, c'est des vrais hommes poissons. Salut Donuts. Salut mon rêve, j'espère que tu vas bien. C'est des hommes poissons. Donc je trouve pas ça choquant. C'est un homme en fait. C'est un homme hout. En Tunisie, il finirait dans un couscous quand même, je vous l'accorde. Mais ça reste un homme hout. Donc, moi, je ne suis pas choqué, au contraire, je le trouve très vérifié. Hein. Après, j'aime bien. Je préfère quand c'est des maquillages comme ça, vous voyez. Moi, j'aime bien. Tu vois plus le visage de l'acteur et tout, tu vois plus sa façon de jouer, je trouve. On parle pas de la raison, mais du rendu. Bah, le rendu, il est bien, il n'y a pas d'effets spéciaux, là. Qu'est-ce qui vous choque dans le rendu? Dites-moi, c'est quoi qui vous choque? Ah, il a une tête à tuer. Il est horrible, Arlong. Hein. Il est moche. Hein, S'il était beau, j'aurais pas compris. Hein. Tu le trouves skinny? Ah, c'est possible, ça, qu'il paraissait tellement Golgoth dans le manga. Mais moi, j'aime bien. Et skinny veut pas dire faible. Hein. Quand tu vois One Piece, Luffy te met une patate, tu t'envoles à... Après, c'est subjectif. Moi, quand je vois ça, perso, je préfère ça. Je préfère ça qu'à un effet spécial CGI 100% où on voit que c'est ça à mort. Là, c'est un humain. C'est bien fait, je trouve. C'est personnel. Moi, j'aime vraiment bien. Personnellement, je m'attendais à tout sauf à ça. Et j'avais peur d'Arlong de fou. Et quand j'ai vu Arlong, moi, j'ai ressenti un soulagement. Je me suis dit, mais il est bien. C'est un homme out. Mais donc, il y en a... Après, vous aimez pas les refs. Hein, c'est comme ça. Hein. Après, dans le manga, il y a des mecs qui font 2m50 pour 600 kilos aussi. Compare avec l'homme requin de Pirates des Caraïbes. Stop. Pour qu'on voit tout. Bah, je peux le mettre, hein. Mais l'homme requin, déjà, il n'a pas du tout la tête d'Arlong, parce qu'il a la tête comme ça, là, c'est un requin marteau, c'est pas un requin comme ça. Et encore une fois, je vous le dis, hein, Pirates des Caraïbes, je vais mettre Pirates des Caraïbes, c'est pas des hommes poissons hein, qu'on voit dans Pirates des Caraïbes. C'est des hommes maudits, hein. C'est des hommes qui ont été maudits. Ils subissent une malédiction. C'est pas... Le corps troué, tout... Ah, en plus, on le voit bien, là, bah, vous l'avez... Et je peux vous assurer que cette image-là que je vais vous mettre, on aurait eu Arlong comme ça, ça aurait crié au scandale. Je vais vous montrer. Voilà, on va aller. Allons au bout des choses. Allons au bout des choses. Hop, hop, hop. Voilà. Il est là. Il est là. Je vais le mettre ici. On s'en fout de ma tête. Moi, je vais le mettre là. On aurait eu ça. Mais la vie de moi que vous aurez crié au scandale. Là, vous aurez dit, c'est comment ça, c'est Arlong? Regardez sa tête à lui. C'est pas des créatures... Là, c'est censé être des créatures maudites. C'est pas censé être des hommes mutants. Pas des hommes mutants, des hommes poissons. C'est une race à part, les hommes poissons. C'est vraiment pas des... Là, ça là, c'est un être humain de base qui est maudit par là, qui est maudit. Et là, c'est un requin marteau. Et honnêtement, pour l'époque, c'est fou. Lui, il est magnifiquement bien fait. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. Mais là, c'est bien pour un film d'horreur, quoi. C'est bien pour un film d'horreur. Mais je peux pas comparer. Parce que là, vraiment, on parle d'une race à part, les hommes poissons. Et qui sont censés vivre, peut-être à la fin de l'aventure du manga. C'est pas des monstres répugnants. C'est pas ça, quoi. Parce que ça, oui, il faut pas vivre avec nous dans la terre libre. Non, non. Restez sous l'eau, s'il vous plaît. Mais, terre les hommes poissons du live action pour moi. Il est magnifique. Non, mais il est stratosphérique. C'est ce que je dis. Il est incroyable.
Il est tout simplement incroyable de fou. C'est un banger. Hein. Il est là au milieu, là, je le vois. C'est un banger de ouf. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais je le compare au requin. Bon, c'est pas. Waouh. Mais celui-là, ouais. Celui-là, c'est un banger de fou. C'est un banger de fou. Mais après, pareil, encore une fois. Ça, c'est pas un homme poisson. Ça, c'est un homme maudit. Hein. C'est un homme, il a subi une malédiction sale. Donc ouais, Arlong, comme ça, moi j'aime bien, honnêtement. Ça reste des hommes poissons. C'est pas. Moi j'aime bien. Honnêtement, je. Et après, c'est subjectif. Je préfère quand il y a du maquillage à mort. Quand il y a je sais pas combien d'heures déjà pour rien que ça. On se rend pas compte, à mon avis, de l'heure qu'il faut pour faire ça. C'est incroyable. Je préfère ça que 100% d'effets spéciaux, en fait. Bienvenue à toi, Agapov. Mais voilà. Moi j'aime bien, honnêtement, je suis pas dégoûté du tout. Tu es mon capitaine, dès maintenant. Il y a un truc aussi que. Mais ça, c'est East Blue, donc ça peut être bien fait en fait. Tu es mon capitaine. C'est eux là, les soldats random de la marine. Me faites pas jurer que eux, c'est sûr, ils ont pas fait les détections où tu dois faire je sais pas combien de tractions, combien de pompes, combien de. Ah, c'est pas. Non, 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 non. Eux, ils sont arrivés, ils ont eu le même test pour rentrer qu'à la police nationale en France. T'as 7 sur 20, c'est bon, t'es reçu. T'es un génie. T'as 12 sur 20, waouh! Waouh, 12, c'est possible! C'est après, mais comme on est dans une base de East Blue, l'île la plus faible du monde, pour l'instant, c'est pas choquant. Pour l'instant, bah, ça me choque pas. Parce que du coup, c'est vraiment. C'est les marines qu'on n'envoie pas. Parce qu'on oublie toujours le QG de la marine. Pour y aller, c'est pas tout le monde. Hein, qui ont le droit d'être soldat au QG de la marine et travailler au QG de la marine, c'est pas tout le monde. C'est l'élite. C'est l'élite de la marine. Et eux, bah, c'est pas l'élite de la marine. C'est pas censé l'être. Donc en vrai, c'est pas choquant. Mais si jamais plus tard, ça marche bien One Piece ou ça marche suffisamment pour qu'on ait la suite, au QG de la marine, je veux des vrais. Je veux des soldats qui font soldat, quoi. Et maintenant et jusqu'à la fin. Vous avez vu le passage de Zoro après sa défaite contre Mihawk? Avec sa petite phrase et tout là, ils ont pas fait du coup le quand il est à terre, l'épée en l'air comme ça. Et bah en vrai, c'est vrai que cette scène, j'y repense, elle était géniale. C'est dommage, ils l'ont pas fait. C'est dommage, ils l'ont pas fait. C'est vrai, j'y repense. Je suis là, je fais le mec, mais la scène, c'est vrai qu'elle est folle. Hein. Zoro, quand il est dans la petite embarcation comme ça, qui lève son épée dans le ciel là et qui lâche. Ah, Luffy! Capitaine et tout, jamais. Et quand il fait sa promesse de plus jamais perdre, c'est vrai que ça, c'était bien. Bah, j'ai l'impression que. Tanjiro, j'ai l'impression que cette scène-là remplace. Après, je peux me tromper, ça se trouve, on l'aura quand même, et on aura celle-ci en plus. Hein. Et jusqu'à la fin. C'est la scène. C'est la scène du Mugiwara sur Nami. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes. Ça, je déteste. Voilà, ça, je le dis, ça me donne des urticaires. Mais c'est des trucs qu'on voit dans le manga. Cette phrase-là, la scène est badass, ils arrivent de manière badass. Et il va casser la gueule à un homme requin parce que t'embêtes mes amis. Frérot, c'est juste ça. Vraiment le. Parce que t'embêtes mes amis. Parce que t'as été pas beau. C'est une scène ultra badass, ils arrivent. T'as Captain America qui arrive face à Thanos. Il est là, il est là pour se mettre des grosses patates. Il dit, mais pourquoi? T'as été pas beau. Patate après. C'est vraiment. C'est pas bien méchant, c'est vrai, hein. Mais c'est en fait dans un manga ça passe toujours. Ouais, je vais regarder en VF Goku, ça me dérange pas du tout, ça va être un kiff. C'est dans un manga, tu lis ça, t'es pris par le truc, tu vois, t'es pris. Mais IRL, même Arlong, il leur dit bah, on va pas se battre pour ça, c'est bon, on dégage. Non, je me bats pas avec toi pour toi, tu vois. C'est ce côté-là. Regardez la scène, elle est propre. Et ils arrivent en plus, c'est la fin du combat.
Donc là, t'as tous les plans qui ont été dessinés sûrement par Nami et tout. Vous voyez là, tous les rouleaux là? Que personne n'embête mes amis. Il le dit bien, c'est archi bien joué, le regard bien vénère et tout, ça passe. Mais il n'y a que les mots qui passent pas. Personne, il embête mes amis. C'est dommage, c'est juste ça. Ou il aurait dû lui dire, c'est une scène simple. T'as fait pleurer Manakama, tu vois. Et ça passe. Parce que t'as fait pleurer Manakama, je vais te déboîter en deux. Ça passe, tu vois. T'as fait pleurer un des miens. Je vais te massacrer, je vais te faire chialer aussi. C'est, tu vois, balle au centre. Ça, honnêtement, ça passe, IRL. Mais parce que t'embêtes mes amis. Ou pareil, ouais, Léo Messi, on va t'envoyer à Netflix pour écrire une partie du script. J'aime beaucoup. Quiconque touche à mes compagnons se fera détruire. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, mais embête, là, ça fait vraiment. Par contre, on avait peur de comment ça allait être la bagarre et tout. La bagarre? Regardez la patate de forêt. M'embête, mes amis. Je kiffe. Je kiffe. Tu ressens la puissance, tu vois. Tu ressens c'est vraiment bien fait. J'ai vu, je vais pas sauter Shanks, vous inquiétez pas. Je vais pas sauter Shanks. Je ne vais pas le sauter. Bon, je vais réussir à l'avoir, hein, ce petit con, mais je vais pas le sauter. Ah, je l'ai eu. Ouais. Bah, honnêtement, avec un chapeau de paille, le chapeau de paille, en fait, il lui va tellement pas. Le chapeau de paille ne lui va pas. C'est clairement le chapeau, il lui va pas. Et même, hein, je vais vous retrouver parce que j'en parlais du coup avec Marco Di Marco. Et bah, je vais vous montrer une image de Shanks au chapitre 1 de One Piece. Et bah, sincèrement, il a un flow similaire de fou furieux. Il n'est pas incroyable, hein, le Shanks. Hein. Vraiment, il n'est pas fou du tout. Hein. Je parle vraiment pas des remakes et tout, je parle du chapitre 1. Il est juste pas fou. Hop. Là, au moins, on met toutes les images parce que on se fait toujours des idées en tête d'un truc et on oublie tout le temps, tu vois. On oublie comment c'était réellement, en fait. Ça sort de notre crâne. Il est là, le vrai Shanks. Hein. Vous voyez une différence de fou? Vous voyez une différence de fou? En sachant qu'entre cette scène-là et ce qu'on vit dans l'aventure, il se passe beaucoup de temps. Shanks, là, il fallait le rajeunir, entre guillemets. Donc le Shanks qu'on va retrouver, nous, c'est un Shanks sûrement plus badass, plus vénère, et un Shanks empereur. Là, il n'est pas empereur, le Bug. Donc moi, là, comme ça, quand je vois cette image-là et celle-ci, je me dis pas, oh, c'est... Bah, c'est lui, en fait. C'est Shanks, ma version, au début du manga. Et avec un chapeau qui lui va tellement pas. Franchement, le chapeau, il lui va pas. Luffy, ça passe. Vraiment, Luffy, quand il l'a, ça passe. Mais là, il lui va pas. N'oubliez pas que c'est un gitan. Et quand même, les brigands des montagnes se foutent de sa gueule. Ouais, c'est vrai, tout le monde se fout de sa gueule, de son style et tout. Il a un style il a un style à la Oda, le ref. Le seul gitan que je connais je parle dans la partie série, série qui passe sur Netflix, qui a du style de fou. C'est Tommy Shelby, fucking Peaky Blinders. C'est le seul. Et même lui, ce chapeau de paille, je suis pas sûr que ça lui va de ouf. Mais donc je sais pas. Mais c'est quoi ce Shanks de merde? Et ben non, perso, ouais, c'est le chapeau qui lui va pas. Mais honnêtement, entre le Shanks du début et celui-là, bah pour moi, il y a une ressemblance de fou. Hein. Et ce Shanks-là, du coup, là, il faut le faire paraître plus jeune. Sûrement moins vénère que le Shanks qui réapparaîtra à l'époque de Luffy durant ses aventures. Il se passe beaucoup d'années. Il se passe beaucoup d'années. Mais c'est la même tête que ce Shanks-là, là, et celui-ci. Hein. Je suis pas choqué. Vous voyez, moi, Sanji me choque plus, les cheveux de Sanji, bizarrement, que ça.
Il est là. Et la lame là est noire. Il est là. Il est là, Mihawk. Ah, la veste de beau gosse. La veste de beau gosse. Ouais, on va le voir à la fin, Rayleigh. À la toute fin, quand il y aura les primes. Il est là, le beau gosse. Il est ici, le PSG. Ah ouais, l'affrontement. Du coup, on va pas avoir le droit à un bateau qui soit complètement tranché en deux. Ça se trouve, il est juste venu grailler Rayleigh et l'autre, il est venu lui casser la tête. Ah, j'ai mis pause au bon moment. Voilà. Pourquoi ça critique? Vous aimez pas là? Vous trouvez que c'est quoi que vous aimez pas? Ah, honnêtement, des lentilles, j'en ai porté bon longtemps avant de me faire opérer des yeux. Et là, ils ont bien retravaillé pour pas qu'on crame que ça soit des lentilles, quoi. Après, c'est œil de faucon. Faut lui mettre des yeux de faucon. Moi, j'ai. Peut-être dans l'imaginaire. C'est vrai que c'est difficile quand un personnage dans notre tête, on le voit avec une classe incroyable. Des lentilles, quand on voit qu'elles sont fausses, c'est ici. Enfin, quand on voit que quelqu'un porte des lentilles, vous le voyez. Je sais pas si on voit ma souris. Mais en fait, vous le voyez au rebord de la pupille. Parce que du coup, au rebord de la pupille, vous voyez un autre trait au derrière, transparent un peu. Et ce trait-là, en fait, fait que bah, tu vois que c'est des lentilles, quoi. Mais IRL, enfin, je vais remettre, hein, parce que au moins on fait vraiment, on analyse vraiment le bail jusqu'au bout, quoi. Je vais mettre œil de fion, œil de faucon. C'est dire des conneries dans le chat. Qui dit œil de fion? Et la première fois qu'on le voit, enfin, cette tête-là, elle fait peur, les refs. Hein, parce qu'on se rend pas compte, hein. On oublie. On oublie avec le temps. C'est humain, hein? Donc même moi, ça me permet de revoir. L'ultra BG qui est demandé, il est là. Les refs, je vois quelqu'un comme ça dans la vraie vie, il n'a aucun flow. Là, c'est quoi cette tête qui n'a aucun sens? On dirait un mélange entre un cubain et un turc. Qu'est-ce qu'il fout, le ref? Non, le mélange là est trop bizarre. Il a les sourcils de mon frérot le turc. Il a le même regard en haut, c'est turc, en bas, c'est italien. On se rend pas compte de la dinguerie qui était. C'est un mélange un peu chaud, hein. Donc là, il est juste humain en fait. Il est humain et il ressemble beaucoup, même style. Le même style, le même swag. Il est juste humain. Et encore une fois, sincèrement, j'ai vu des messages sur Twitter. Les gens, c'est des acteurs studio. S'il vous plaît, mettez-les sur Twitter, les images, quand vous nous dites, à la Japan, j'ai croisé des cosplays de Mihawk 1000 fois plus réussis. Déjà, de 1, j'ai pas vu un seul cosplay de Mihawk quand j'étais à la Japan. J'y suis allé 2 fois. J'en ai vu aucun. Et mettez une photo. Mettez une photo. C'est du pipeau de fou furieux. Le mec, il a jamais été à la Japan. Il a tweeté ça. Il a jamais été de sa vie à la Japan. Il a même pas de quoi payer le ticket d'RER pour aller à la Japan. Il est obligé de frauder et se faire choper à l'arrivée. Et il veut juste faire le beau sur Twitter. Oui, à Japan, j'ai côtoyé des cosplayers 1000 fois plus talentueux et vraiment le rendu que nenni, hein, que nenni, que nenni, vraiment. Frérot, arrête tes conneries. Va changer ton slip sale et arrête de dire des bêtises. C'est pas possible, frérot, à ce moment-là. Ah, c'est Commedia dell'arte de fou. Non, les frérots, vraiment, c'est ça. C'est pas vrai. J'y étais. J'étais à la Japan. Il n'y avait même pas de Mio que j'en ai pas vu. Et j'ai passé plus d'une heure à interroger des cosplayers. C'est pas vrai. Faut respecter le côté des cosplayers et tout. Hein. Il y a peut-être des conventions, il y a des cosplayers de fou, mais en tout cas, à la Japan, il y avait des cosplayers talentueux, beaux gosses, investis de fou. Mais je peux pas les comparer à ça, c'est pas possible, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux. Alors qu'ils étaient archi cool, mais je peux pas comparer à ça, c'est pas possible. Ah ouais.
J'aime bien, ça va faire des sauts surhumains. Tac, tac, vrai affrontement. Vrai affrontement, il va finir au sol, inerte, Zoro. Il va finir inerte. Donc du coup, Baratie, on a Œil de Faucon qui débarque. On a Arlong qui débarque en équipe en plus. Donc, et j'espère que c'est le cas, pas de Dawnkrieg. Et honnêtement, j'aimerais ne pas avoir de Dawnkrieg parce que je trouve que dans toute la partie East Blue, c'est l'antagoniste le plus éclaté. Franchement, tout est nul, Dawnkrieg. Quand c'est Dawnkrieg, tout est nul. Ses capacités de combat, je trouve ça nul. Mais vraiment, il faut être honnête, je trouve Dawnkrieg nul. Voilà, je le dis. Et c'était une de mes craintes de fou. Et là, non, il se bat pas avec son canif. Il se bat vraiment. Bah, je pense que là, ils se sont dit que c'était compliqué, IRL, de faire ça avec une petite épée. Et lui, il a des grosses épées. Ils se sont dit, peut-être dans la vraie vie, là, on abuse un peu du bail. Là, on abuse un peu du bail. Bah, Gin, c'est vrai que c'était le meilleur. Gin, Gin, chacun l'appelle comme il veut. Il est meilleur que son capitaine. Il n'affronte pas Luffy. Et il est meilleur que Dankrieg. Dankrieg, il est juste. Bah, il est casté, mais on le voit juste sur une affiche. Et ça se trouve, ça s'arrêtera à l'affiche. Et j'espère, vraiment. Ça se trouve, je me trompe. On aura tout un passage sur lui. Et si jamais il y a l'enfant de. Gin, c'est le fils de Kaido, ouais, selon la théorie. Mais si jamais il apparaît bel et bien, et bah, j'espère juste que l'histoire sera pas du tout la même, que ça soit différent, quoi. Vraiment. J'espère sincèrement qu'il soit différent. Mais en tout cas, on l'a, et franchement, c'est cool. C'est propre ce qu'on nous propose. Je vous jure que j'en ai vu des live action de manga. Et malheureusement, j'en ai vu. Et depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression de regarder un live action manga. J'ai pas du tout l'impression. Ça fait vachement hollywoodien là. Là, tu sens la patte Hollywood en fait, vraiment. Tu sens de ouf que c'est pas du tout le même bail des live action que j'ai regardé avant. Et je pense en plus, le dernier live action que j'ai regardé, je crois que c'est Hollywood aussi, malheureusement. Et SNCA, c'était horrible. Horrible pour mes yeux, horrible pour tout. Alors qu'en plus, ils avaient un casting, eux, ils avaient des acteurs connus. Donc, et pourtant, c'était de la merde. Vraiment, peut-être il y en a qui. Je crois qu'il y a quelqu'un aimé dans le chat. Désolé, mon ref. Mais en tout cas, si t'as aimé, tant mieux. Au moins, t'as pris du plaisir en regardant. C'est le principal. Du coup, on s'en fout de ce que je pense. Mais c'était horrible. Est-ce que tu penses que le live action sera aussi rentable qu'un film One Piece comme Red, le dernier en date, par exemple? Je sais pas du tout parce qu'en fait, je sais pas du tout comment ça fonctionne, les productions Netflix. Les productions Netflix, je sais pas comment ils gagnent en fait, comment ils arrivent à cibler une série fait gagner par rapport au. C'est vrai que Netflix c'est compliqué à cibler. Le cinéma, bah, c'est plutôt facile, hein, tu vois le nombre d'entrées et tu vois ce que coûte réellement, ce que reversent réellement les ayants droit. Et donc il y a une partie pour le cinéma et tout, une partie pour la salle et ainsi de suite, mais tu vois le reste et tu peux facilement savoir du coup les bénéfices, tu vois, par rapport au coût. Mais là, sur Netflix, je ne saurais pas te dire. Je sais que par exemple, une série qui est Masterclass, je vous la conseille, Marco Polo, 2 saisons, incroyable, incroyable. Et ben, ils n'ont pas reconduit la saison 3 alors qu'il y avait une forte demande, mais c'est parce que Marco Polo coûte trop cher à produire. Et donc, même s'il y a une forte demande, ils ont arrêté parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher à produire. Là, j'ai une question. Oh, le pose que j'ai fait, il est magnifique. Vous avez vu là le soleil qui brille sur sa peau là? Oh magnifique. Là c'est bizarre, vous avez vu par contre? J'ai l'impression que c'est différent. Que j'ai bien aimé, c'est celui de Bleach. Ah, celui de Bleach, j'ai bien aimé Ernie Potter. J'ai bien aimé, mais j'ai eu un problème. C'est l'acting. C'est en fait sur les. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Tiens, ça m'intéresse, parce que je sais que j'ai des potos aussi qui pensent comme moi, mais peut-être qu'on vous allez avoir une autre idée, vous. Et bah sur les séries, certaines séries manga qui sont développées je sais pas exactement quel pays, donc je vais dire en Asie, pour pas, voilà, pas dire de bêtises. Et bah, en fait, ils surjouent certains passages. Vous voyez, quand il y a un passage du manga où ils font des têtes étonnées, et bah ils vont jouer cette émotion comme dans un manga. Et du coup, je me sens super gêné, je me sens pas bien. Quand ils font des oh, ouh, 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 et des trucs comme ça là, et en IRL,
Et bah, je m'y pose et je suis pas bien. Tu sais, je me sens. Y a pas un coussin où me cacher, y a pas un truc, j'essaye de me planquer. Je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise en fait. Et j'ai du mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec ça en fait. Cette manière de trouver. Ouais, la même, je trouve ça gênant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire du coup. C'est juste ça. Alors que je pense que c'est une manière de. Qui doit être. Parce que quand tu le vois dans certains films où il n'y a pas ce côté-là, et ben c'est incroyable. C'est super bien joué et tout, c'est génial. J'ai raté un passage, je crois, que je voulais regarder. Ouais, c'est là. Il y a un truc qui m'interroge. Voilà, bah c'est ici. Shanks, là, il a ses deux bras, vous voyez? Et j'ai l'impression qu'au début, du coup, il perd pas son bras, mais que le monstre marin l'attaque, et il va vouloir protéger Luffy, du coup, et c'est là qu'il va se faire grailler son bras. Alors qu'il est face à face, tu te dis coup d'haki des rois, et il se barre, et il le fait pas. Et c'est pire que ça. Vous voyez? Là, il attaque. Et en fait, il va vers Luffy. Il va vers Luffy. Ça veut dire que quand il arrive, il a ses deux bras et il a du temps. Donc dans le live action, ils vont faire les choses vraiment différemment là-dessus. On aura une autre vision de la chose. Et là, franchement. Ceux qui n'ont pas kiffé depuis le début, parce que c'est possible, et voilà, c'est votre droit. Ça, l'attaque qu'on va voir là tout de suite, elle n'est pas incroyablement bien faite. Elle n'est pas incroyablement bien faite. Elle est géniale. Le Gatling Gun, il est incroyable. Il est extrêmement bien fait. C'était ma crainte, ça aussi. Comment tu fais Luffy combattre? Mais il est génial. Il est génial. Dites-moi les refs, vous aimez pas? Est-ce que quelqu'un n'aime pas? Ça m'intéresse de savoir. Est-ce que quelqu'un trouve que c'est pas terrible en fait et que vous aimez pas du tout? Parce que là, moi, je trouve c'est génial. Vraiment, je. C'est génial de fou. Tu reconnais direct l'attaque et tu dis, wow, tu sens la puissance. Tu sens la puissance des coups. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Ah, j'ai mis pause à la scène. Et après, il perd bien son bras. Et là, Shanks, il est beaucoup plus stylé sans son chapeau, quand même. Là, Shanks, il est bien plus stylé de fou. Il est bien plus stylé, Shanks, on est d'accord. Qu'avec son chapeau qui lui va absolument pas. Et ça, c'est Mini Luffy. Mini Luffy. Il est là. Ah ouais, c'est bien fait, hein. Luffy élastique, pour l'instant, c'est vraiment bien fait, hein. C'est vrai, le taf qu'ils ont dû faire en post-prod est incroyable, hein. Ils ont dû s'arracher le crâne à faire ça. Ça n'a pas l'air comme ça, on a l'impression, mais ça, ils ont dû s'arracher le crâne. Je suis Monkey D. Luffy. Je vais essayer de capter un truc. Je crois qu'il va mettre un coup de pied à Zoro. Je crois qu'il va déboîter Zoro. Regarde, même là, l'attaque. Elle est stylée. Regardez. C'est moi où il va déboîter le visage à Zoro. C'est moi. On va le gaulerie de ouf. Il va assommer Zoro. Pareil, là, la jambe, elle est bien faite. L'attaque est bien faite. Tu dis pas, c'est quoi? C'est horrible. Il n'y a pas cette impression qu'on a eue dans le teasing au début. Quand il fait l'attaque, il n'y a pas cette impression, vraiment. Et là, c'est le coup. Ils arrivent en équipe calibrée. Descente à 6 h du matin. Je me suis pris pour Caris. Ils font une descente à 6 h du soir. Il arrive le Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates. Mani, même là, j'y crois. Franchement, en regardant tout d'un coup, quand t'arrives ici, t'y crois. T'as envie de dire, bah vas-y, montre-moi, tu vois. Alvida. Alvida, 5 millions. On va essayer de regarder bien. Cavendish, il n'y a pas sa prime. Il n'y a pas sa prime à Cavendish, mais il est là.
il est là le ref. Cavendish est ici. On essaye de regarder. Si vous voyez quelque chose, vous me dites les refs. Ça peut être qui? P. On voit rien du tout. Public notice beware. Anyone can be a criminal. N'importe qui peut dire do not let your. Ouais, en gros, c'est vraiment un message. Tout, n'importe qui peut être un criminel. Faites attention à vous. Il y a marqué quoi là? Help the enemy. Warning. C'est tellement stylé. Je kiffe. Je kiffe de fou. Je savais pas qu'il y avait autre. Foxy, il est là. Il est là, Foxy. C'est génial. Honnêtement, c'est des détails. C'est génial. C'est génial. Je peux bouger par image. Ah, tu m'apprends des trucs, frérot. Après, moi, qui ne m'apprend pas des trucs sur un vieux? Oh ouais. Mais c'est génial, merci beaucoup frérot. Je savais pas qu'on pouvait bouger par image. Mais c'est génial, c'est génial. Merci. Alvida, elle est stylée. Ah, je recule en fait là, attends. Et c'est point virgule du coup pour... Ouais, je suis un vieux, j'ai besoin de regarder le clavier pour voir point virgule, je vous emmerde. Je vous emmerde. Oh, bonjour. Il y a un accident. Ce niveau est tombé. Ce niveau est tombé. C'est bon. Ce niveau est de retour. Ce niveau est de retour. C'est en regardant que c'est tombé en plus. En regardant les touches du clavier. Eh, Kobe, il est pas incroyable. Kobe, il est pas stylé de ouf. Kobe, il tue de fou. C'est horrible. Bel ami, il est là. Il est là, bel ami. Ah, une vraie tête de hyène. Ah, bel ami, la hyène. Bel ami, la hyène. Hein. Une tête de hyène de fou. Et ça, là, ça va devenir le sang de la veine. Ça va devenir un membre. Il va dessiner tous les jolis Rogers de Luffy. C'est lui qui va tous les dessiner, les designer et les mettre sur toute la flotte des Mugiwara. C'est cette tête-là. Ah, trop magnifique. Oh, super Naruto Drag, c'est vrai. On dirait lui de finesse. De ouf. De ouf. On dirait grave lui de finesse. J'essaie de voir si on voit pas quelque chose. Il a une prime de 55 millions de berries, notre ami Bellamy. Non, on voit pas autre chose. Là, en tout cas, je vois pas. C'est clair. C'est marrant, il a reculé, en fait, petit à petit. Ma trombine, à moi, elle est où? Elle est là, ça c'est mon lieu. Eh ben, masterclass. Honnêtement, moi, je suis rassuré de fou furieux. Je trouve que c'est une masterclass de fou. On va faire un petit sondage. Hop, je vais lancer un petit sondage. Hop. Hop. On va mettre. Vous kiffez ou pas? Valider ou pas? Voilà, on va mettre juste valider, on va pas mettre des notes. Valider ou pas? Oui, non. Est-ce que vous validez? Oui. Ou non? Et si jamais bah, vous en foutez, ni validé, ni pas validé, bah. Vous n'êtes pas obligé de répondre au sondage. J'ai lancé le sondage, les refs. Est-ce que c'est validé ou pas? Moi, je valide. Perso, je vais voter. Valider, oui. Voter. Que valider. Ah oui, ça valide fort. Ah oui, ça valide, là, pour l'instant. Et Luffy est mitigé. Ah ouais, moi, personnellement, par rapport à ce que je pensais que ça allait être, honnêtement, je peux que valider. Je peux que valider. Nathan valide aussi. Bon, bah, ça, c'est sûr, là, écrasante victoire de la validation. Il n'y a que deux noms et le reste, c'est du oui. Hein. Le reste, c'est du oui de ouf. Du coup, bah, moi, j'ai kiffé. Honnêtement, là, on l'a regardé en long et je peux vous assurer qu'avant de Midor, je vais la regarder encore. C'est sûr, je suis trop hypé. Je ressens One Piece dans le truc, en fait. Pour moi, ça marche. C'est validé parce que je reconnais One Piece.
Je reconnais l'univers de One Piece. Je reconnais One Piece. Ça me fait penser One Piece. Le Roger, tout me fait penser One Piece. Donc du coup, bah, je peux que kiffer. Et ça, c'est fort. Ça me fait penser One Piece. Et ça, je kiffe de ouf. Ça vous dit, on passe au Gear 5, du coup? On voit à quoi ça ressemble, la bande-annonce du Gear 5. Hop. Bande annonce Gear 5 One Piece. Elle est là, elle dure 33 secondes. Ah ouais, elle est rapide au moins. Celle-ci, la vidéo, elle est rapide, elle est rapide. On va se la mettre. Voilà, elle est là. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready for that? Vous êtes prêts pour le Gear 5? Ceux qui ne se veulent pas voir le Gear 5 en anime tout de suite, il faut pas regarder du coup les refs. Parce que du coup là, ils vont le montrer. Je tiens à le dire avant de mettre play pour pas vous piéger. Ceux qui se disent, ah non, je veux le découvrir durant l'épisode. Les Japonais et le spoil, c'est un grand amour. Hein. Ils s'en foutent de ces conneries. Le spoil pour eux, c'est une passion. Allez, je lance.